Et salut, salut, la reine des transitions dégueulasses. Est-ce que vous m'entendez tous bien? Et je ne sais pas si vous avez du son en jeu, parce que je crois que mon son en jeu est pas très fort. Effectivement, je vais le monter un petit peu. Bonjour à tous, du coup, est-ce que vous m'entendez bien? Je ne sais pas. J'ai vu que vous étiez plusieurs, Yonours, Sean, Wendell, ma femme à pas de moustache, Ruby, Mal'Ganis, Akuna et Norman. Salut à tous. Je vois pas de nouvelles notifs dans le chat. Salut Coton! Salut Slamjack, salut Gara! Donc j'étais en train de finir ma super feuille de route. Oui madame, on vous entend, super. J'étais en train de finir ma super feuille de route que vous pouvez voir ici. Hein. On va pas faire les donjons. On va faire simplement les raids pour chasser des montures. Et j'ai mis les raids de Burning jusqu'à Mop. Pas plus loin parce que même si je peux faire 2-3 de Légion, j'ai un peu la flemme, je vous le cache pas. Et puis qui dit aller à Légion dit très souvent passer par Dalaran, et Dalaran c'est juste l'enfer à charger. Donc on va éviter de s'infliger ça. Je vais éviter de m'infliger ça. Et je compte sur vous, je veux absolument loot invincible. En fait, je me suis dit que déjà ça fait une éternité que j'ai pas chassé les montures. Ça fait longtemps, du coup je me souviens pas de la moitié des entrées des raids. Hein. Je pense notamment à l'œil de l'éternité, on va se fendre la gueule. Je pense qu'il va y avoir 2-3 fails, donc voilà, ça fait super longtemps. Bienvenue Kirika, bienvenue Bénione, merci d'avoir suivi la chaîne. Ça fait super longtemps que je l'ai pas fait, ça fait super longtemps que j'ai pas joué à WoW d'ailleurs, là effectivement ça fait un moment que j'ai pas joué du tout. Je rapproche. Je peux pas faire mieux, hein. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, déjà, parenthèse. À propos du micro, j'ai fait toutes les manips du monde, mais je ne peux pas augmenter le son du micro. Voilà. Déjà, j'ai réussi à supprimer les bruits blancs, hein. C'est ce qu'il y avait il y a perpète. J'avais un problème de bruit blanc en fond et quand je streamais, j'ai réussi à le virer. Mais pour le son, je pourrais pas faire mieux. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà. Chasser des montures, je l'ai pas fait depuis longtemps et j'ai jamais de chance, je vous le cache pas. J'ai looté une monture un coup très très rare à l'âme des dragons sur. J'allais dire sur Voldemort, mais oui! Sur Eldemort, salut Pumpy. Et j'ai dû la céder. C'était un épisode très triste de ma vie. Bref, c'était une des seules montures de ouf malade super rare que j'ai lootées dans ma vie et je ne l'ai plus. Donc j'espérais pouvoir faire ça avec vous et puis réussir à loot. Invincible par exemple, Invincible ça serait bien. Ou peut-être de nouveau la lieuse de vie sur Eldemort. Ou les cendres d'Alar, pourquoi pas les cendres d'Alar, ça me va. Hein. Enfin bref, plein de montures très très chouettes. Je sais pas où mettre ma feuille de route sans que ça me fasse chier. On va mettre là. Et on va partir tout de suite. Alors je sais pas s'il y a des joueurs de WoW dans le chat ou pas. Si c'est le cas, salut Nico Oli. On n'est pas ici. On n'est pas ici pour du gameplay de ouf. Bah, j'ai absolument pas besoin de coup de main. Hein. Je suis niveau 120. Mais c'est gentil de proposer. Et du coup, enfin. On va pas être là pour une démonstration de gameplay, de toute façon je suis nulle à chier, je vous le dis honnêtement. Et là ça va être juste du rasage de raid en espérant looter ce qu'on veut looter. Pour trouver les entrées. Effectivement. J'y penserai, l'œil de l'éternité peut-être va me poser problème. Salut Choufle. Let's go! Let's go. Alors attendez, je vais me diminuer ça qui est énorme. Oui, mais c'était pas ça que je voulais. Non.
Normalement, là, c'est bon, c'est parfait. Verrouillez la fenêtre, vous verrez pas si je reçois des MP bizarres. C'est la nostalgie de revoir les vieux raids. Oui, clairement. Tu te rappelles, Coton, quand on jouait chez toi? C'est là que j'ai repris, c'était à Légion. Ça faisait tellement longtemps que j'avais arrêté. C'était n'importe quoi. On va pas s'amuser à faire les hauts faits. Alors, je pense que le jeu est un peu fort. Enfin, moi, pour moi, il est fort, en tout cas. On va pas s'amuser à faire les hauts faits dans les raids principaux. Parce que je les ai déjà tous faits. Quasiment. Salut Kaburashi! Mélangeur de volume. De toute façon, le son nouveau, c'est pas le truc le plus important. J'ai presque envie de laisser de la musique chill derrière, mais je sais pas. C'est une playlist Spotify que j'aime bien. Qui est tranquillou, mais je sais pas si elle est libre de droit. Je crois que maintenant sur Twitch, avant ils coupaient juste le son pour les rediffs. Et merci Coton pour ton follow. Et maintenant je crois qu'ils shut down carrément en live, non? Parce que j'aurais bien voulu mettre de la petite musique chill derrière. Ah, voilà, c'est compliqué sur Switch maintenant, c'est bien ce qui me semblait. Je ne sais pas, Coton. Merci en tout cas. Bon, bah, pas de musique chill. Fort déçu. En plus, il n'y a pas, genre, sur Spotify, des playlists libres de droit, là? Ah si, sur YouTube. Attendez, on va faire des petits bails, on va se mettre des petites musiques. Et de la petite musique tranquille, ou hein? Si je tape libre de droit. Stream live vidéo. Musique libre de droit. Salut Saumon! Musique libre de droit club. J'ai absolument pas confiance. Ouais, j'aimerais bien nous faire une petite session de chill. Comme la musique qu'il y avait en fait quand vous êtes arrivés. Ça, c'est quoi? Sélection de musique gratuite libre de droit. House, dubstep, louange au lieu de lounge. Electro chill, ambiance. Mais tout est mélangé? Parce que si on se balance un truc comme ça va passer d'un style à l'autre. Attendez. Si mon live saute, vous saurez que les playlists libres de droit Spotify ne fonctionnent pas. Est-ce que la musique est assez forte pour vous? Merci Slam, à plus! Salut Plus South! Merci pour ton follow. Vous me dites, hein, avant que je parte chasser des dragons, là, si la musique est assez forte pour vous, si elle est trop forte, si... Pour qu'on se pose tranquille et puis qu'on voit pas le temps passer. Salut, artiste! Je pars sur une chasse aux montures. De raid seulement, pas de donjon. Sinon, le problème dans les donjons, c'est que tu peux pas t'empêcher de les relancer et les relancer et les relancer, genre comme Stratholme. J'ai noté tous les raids de Burning, Lich King, Cataclysme et Mop. Ne t'en pas Deimos. Eki! Salut Pizzy! Je fais mes petites gestions de musique. Ouais, un bon tour, quoi. J'ai essayé de me mettre parce que je suis la nana la moins organisée du monde, hein, je tiens à le dire. J'ai essayé de me mettre dans l'ordre les continents et on va essayer de faire comme ça. Bon, je promets rien sur la playlist, c'est pas la mienne, je la connais pas. Bah, on verra bien ce que ça donne. On en a pour 5 heures. Le mixage sonore est bon. Yes. Petit tour d'horizon de mes montures. Je peux faire ça, rapidos, effectivement, qu'on puisse partir et passer à autre chose. J'ai pas des trucs de fou, hein. Alors ça, c'est le collector des 15 ans. J'ai pas des trucs incroyables. Si, celle-là, elle est magnifique. Pourquoi je dis que j'ai pas des trucs incroyables? Ah si. Celle-là, je l'ai farmée. Je l'ai farmée super sale. Et je suis vraiment très contente de l'avoir. Elle est magnifique. Mais sinon, j'ai beaucoup de montures de la boutique. Bah, toutes les montures à la con de base. Ouais, le cauchemar lucide, il était horrible. La conscience collective, c'était sympa aussi. Franchement, c'était l'enfer. Heureusement, j'avais avec moi un mec qui est très, très, très fort en
puzzle, Rubik's Cube, etc., et qui a une logique folle et hyper rapide. Et ça nous a grandement aidés pour faire un des monocles, un des prérequis pour faire la conscience collective. Là, on a beaucoup de collectors. Ça, c'est la dernière de récompense d'abonnement. Cherche des trucs un petit peu cool, hein. Ça, c'est la boutique, c'est de la triche. Pas mal, elle a l'air compliquée à avoir. Elle est compliquée à avoir. T'as intérêt, en fait, croire en tes potes, la conscience collective. Bah ça, c'est une des montures qui est tombée dans les raids. Alors, faut savoir qu'il y a un des raids qu'on fera pas parce que j'ai les deux montures qui tombaient à 100%. Par contre, l'œil de l'éternité, j'en ai un sur deux. Salut, Sophie Marceau Sifflard. J'aime énormément ton pseudo. Ah, Drake du Crépuscule et Drake Noir, c'est du 100%, hein, elles sont déjà tombées. Possible de tomber pour ma part sur l'azur? Bah moi c'est le bleu que j'arrive pas à avoir. Qu'est-ce qu'on a d'un peu sympa? Boutique, boutique, boutique. Boutique. Pop, pop, pop. Ça c'était la campagne. Ah si, les petits Navrecornes qu'il faut former, qu'il faut farmer, farmer. Qu'il faut farmer à Mop. J'en ai. Bah normalement j'en ai. J'en ai deux au moins. J'en vois qu'un. Non, pas les os. Ça, c'est pas ceux des os. C'est ceux où. Alors c'est super chiant, genre tu dois te mettre sur le continent et faire les quatre zones. Les quatre zones qui ont une. Comment on dit? Un bord sur la mer, quoi, une côte. Et il faut buter quelques mobs qui pop et qui dépop aussi rapidement d'ailleurs. Et c'est très très chiant. C'est très très chiant. Enfin, voilà les rats. Pas chanceuse sur les loots du coup. Non, non, je suis. Ouais, voilà. Je me rattrape sur un littoral, merci. Je me rattrape sur la boutique parce que je suis vraiment. Mais j'ai vraiment pas de bol. Et les seules fois où j'ai eu du bol, bah je me suis fait croûter, comme on dit. Ah si, celui-là. Non, pas du tout. Oublié. Si, celui-là, j'ai eu de la chance. C'est dans un donjon. Bon, ça, c'est quand tu fais tous les hauts faits, donc ça se farme quand même. Oui, lui, je l'ai payé 10 000 PO, mais celui-là, je l'ai payé. Alors, attention pour l'histoire, je suis obligée de vous le dire avant qu'on parte. Ce putain de terreur d'aile spectrale, il coûte 90 000 PO. Je l'ai acheté sans faire exprès, j'ai mis ce clic. J'étais absolument dégoûtée! Je me rappelle du jour où j'ai cliqué et que j'ai fait. Il manque des PO, c'est quoi cette merde? Mais il est beau. Mais on va l'utiliser d'ailleurs. Parce que bon, faut le rentabiliser. Mais d'ailleurs, vous voyez qu'il y a un paquet de montures là. Hein. Ah ouais, le misclic de l'enfer. J'étais vraiment au bout de ma vie. Celui-là, il était pas facile à choper, je crois. Après, j'en ai pas eu beaucoup plus. C'était à Légion. Collector, collector. Race alliée. Ah, PO. Collector. Ah, ça, c'est de faire tous les hauts faits, donc c'est quand même relou, hein. Et voilà. Ah non, pas et voilà du tout. Ah, celui-là, je suis contente de l'avoir parce qu'il ressemble à la lieuse de vie. Alors, non, j'ai pas du tout commencé WoW il y a peu. J'ai commencé à Vanilla. Le vrai Vanilla. Il y a très, 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 très longtemps, du coup. J'ai joué Vanilla, Burning Crusade, Lich King avec mon père, donc j'étais jeune, hein. Je suis née en 92. Et j'ai arrêté fin Lich King et j'ai repris à Légion. Donc pas mal. Puis entre-temps, je me suis pété un bras, donc j'ai pas beaucoup joué, etc. Enfin bref. Mais mon bras va mieux. 91 RP. J'ai plus rien de trop cool, hein, je crois pas. Si j'ai le mammouth à 20 000. Non. C'est pas celui-là que je veux. Je sais plus. Ah! Non, ça c'est les races alliées. Aucun rapport. Putain, j'arrête pas de m'en mêler. Ça, c'est ma monture de classe. Oui, je connais large. Là, le yak à 120 000. J'ai aucun mérite, on me l'a offert. Je le dis. Sans honte. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Bon, on va peut-être partir cette fois. Direction Outre-Terre. J'ai absolument oublié comment on y va. Ah oui. Il y a un petit portail. Là, je vais mount.
Attendez, je me perds. Alors, j'ai peut-être. Bon, on est à Orgrimmar, mais je vais vérifier quand même mes petits IPS là. Hop, 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 hop. Non. Non. Pas du tout. Non plus. Y a pas un portail pour les portes ici? Ouais, ça commence bien. Ah ouais, non, 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 le gros dino là, non, non. J'ai pas beaucoup d'argent, hein. Enfin, j'ai beaucoup de perso, comme vous pouvez le voir. Mais j'ai que 200 000 PO, donc autant vous dire que c'est tout perso compris, dont Alliance. Dans la faille de l'ombre, merci beaucoup, je me suis perdue dans ma vie là. Salut Miku! Alors, cherche le petit trou. On peut se faire le gouffre de rage-feu aussi, hein, si vous êtes chaud. Mais attendez, non, 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 il me semblait qu'il l'avait bougé ce portail là. C'est un faux plan là, c'est de la fake news. Ça va et toi, Miku? Mais non, ils l'ont bougé, ils l'ont mis dans la salle des portails. En fait, je fais des tours et des tours pour vous montrer mon magnifique terreur d'aile spectrale de merde qui m'a coûté une fortune. Attendez, mais ça commence bien. En fait, je vous fais un petit tour d'Orgrimmar parce que je trouvais que c'était important. C'est pas du tout fait exprès. Enfin, si, c'est... Enfin, bref, vous m'avez compris. La meuf qui sait même plus aller en Outre-Terre. Ouais, il est beau, hein. Moi, j'aime bien parce qu'il y a, y a le bout qui se voit plus. Enfin... Comment dire? Il est pas entier. RT, si t'as compris. Oui, voilà, c'est ça, un portail vers Chatrat. Merci bien. Ceci là. Hop là. Alors, on va faire simulateur de chargement aussi avec tous ces raids. On va s'amuser. Ça nous laisse plein de temps pour se regarder dans le blanc des yeux et se rappeler que on est content d'être là. Désolé, pas désolé, c'est bon. En plus, je suis fatiguée. J'ai testé Just Dance là pour la première fois et je ne regrette rien. Si, si. Il est où mon spectral là? Là. Donc on va à Radnéan, comme vous pouvez le voir, on va faire simulateur de vol aussi. Hein. C'est tout au nord. Donc là, je vous cache pas que si on loot les cendres d'Alar, je sais pas ce que je fais. Mais potentiellement, je peux perdre mes moyens. Il y en a plusieurs comme ça qui me font cet effet-là. Hein. Cendres d'Alar, les reines d'Atumène à Karazhan, mais ça va être à la fin. Attendez, parce qu'on est un peu trop dans le ciel. Invincible. Le dada du roi Lich, on dit pas non. Et puis, ouais, la lieuse de vie. Expérience 12B aussi. Voyons voir à quoi il ressemble déjà. Non, il est moche en fait. Bah, si je le loot, j'aurais contente, mais il est moche. Par contre, la lieuse de vie. C'est ni plus ni moins la même que la monture que j'avais quand j'ai pop dans le jeu, mais en encore plus belle. Je vais me faire détester, mais Invincible, je les loot au deuxième try. Allez, on s'en va. Putain. Ah, Invincible, franchement, je l'ai beaucoup farmé. Alors, j'ai une patience qui est ridicule. Mais malgré tout, c'est une monture que j'ai beaucoup farmée et que j'ai jamais eue. Et franchement, c'est une grande tristesse. Et j'ai vu ma copine Nero aussi qui la loot premier try, je crois. Ces gens que j'aime fort mais que je déteste en même temps. Il y a quoi qu'on voudrait choper? Ah, dans les terres de feu. Celle sur Ragnaros, j'ai pas noté son nom, j'ai oublié. Enfin bref, il y a pas mal de bonnes choses. Si vous pouviez porter chance. S'il vous plaît.
Ça serait un réel plaisir. Ah mais ah, j'ai pas vu, pardon. Merci Tonton Franck, Sophie Marceau, Bristav pour vos follow. J'avais pas vu du tout, je m'excuse. Faut savoir que j'ai pas deux écrans, donc j'ai un petit truc à gauche pour lire vos commentaires. C'est pas le truc le plus simple du monde. Je ne le cache pas. Red Néant. Salut Lélo! Oula, tu vas te taire, téléphone. On est chaud, on est chaud. On est chaud. Les cendres d'Alar, je peux les avoir. Je peux? Je le sens bien. Je sens qu'il y en a au moins une qui peut tomber pendant ce live. Au moins une. Sinon, c'est vraiment genre la pire malchance du monde. C'est vraiment que je suis nulle. Après, mon karma est déjà pérave. À plus, Kabureshi. Ça va et toi, Lilo? J'ai même pas mis mes poisons. À l'ouest. Non, en vrai. Parce qu'il y en a combien là? Attendez, parce que je sais plus où est l'entrée en plus. Ah, bah ça va, on a le temps. Alors, les cendres d'Alar, c'est. Normalement, mes pourcentages de loot sont pas à jour. J'ai des pourcentages de loot, mais qui datent un peu. Qui datent un peu beaucoup. Donc, ça a potentiellement changé depuis. Mais dans ma fiche, les cendres d'Alar sur Kael'thas, c'est 2%. On va voir ça. Bon, faut savoir que Kael'thas, pour ceux qui connaissent pas, il parle énormément. Je connais pas plus Mégalo que lui, à part peut-être Kuzco. Mais il parle longtemps. Donc on va passer du temps dans ce donjon. Tu me donnes faim, Lélo. J'ai envie d'un goûter maintenant. En plus, c'est l'heure du goûter. C'est toujours l'heure du goûter. Ah, je voulais vérifier, alors attendez. Non, raté. Suis con? Bon. C'est possible, hein. Attendez, j'ai mis une connerie sur ma fiche de route, ma feuille. Comment t'as fait pour la finir si elle est perdue? Je n'ai pas lu ce... Je n'ai pas lu ce commentaire. Alors, l'entrée là. Pardon, je vais... J'applique toujours mes gestes barrières. C'est lui là qu'on veut. Regardez-moi comme il est beau. Regardez-moi ça. On est prêt? Oui, j'ai dit que j'aimais bien ton pseudo. Il m'a fait rire le Sophie Marceau siffla. C'est quoi ton pseudo sur Twitter? Que je... Bah ouais, je veux Alar, évidemment. Attendez, je vais mettre mes poisons, histoire de, pour le fun, tout ça, tout ça. C'est dans ces moments-là que je suis contente d'être un fufu. Ah non, Caro, j'ai oublié de... J'ai pas envie de pourrir mes sacs. Qui sont déjà en bordel.
J'ai dû y aller en mode superstitieux avec mon mâche-feu et l'huile de sang pour la tomber. Sérieux? Et elle est tombée? Attends, parce que c'est la partie intéressante. Moi, je suis une pingre, je prends tous les PO que je croise. C'est la partie intéressante de ton message. Ok, ça me parle pas, je te le cache pas. Pas Sophie. C'est bizarre de t'appeler Sophie parce que je me doute que t'es pas une Sophie. Donnez-moi de l'argent, merci. J'ai oublié, je crois qu'il faut clean. Pour faire pop le piaf. Comment ça t'es pas morte? Oh bah, tout ça pour ça. On veut des sous-sous. Je parle de PO, hein. Elle est tombée. Oh là là, mon dieu. Ah ok, Tendrix. Bah écoute, j'ai pas fait attention. Je te le cache pas, je fais pas attention. En plus, j'ai réalisé il y a pas longtemps que je recevais pas toutes les notifs sur Twitter. Genre, toutes les réponses sous un tweet ne sont pas dans mes notifications. Pas toutes. Je ne sais pas pourquoi. Je te souhaite la même luck. Bah ouais. Je suis pas mâche-feu, mais je suis elfe de sang. Qui sait? Ce serait cool quand même. Mais bon, comme c'est ma main, c'est pas la première elfette de sang que j'amène dans ce donjon. Hein. Et il se fout de ma gueule? Fait le tour beaucoup plus vite que moi. Donc ce qui est très drôle, hein, c'est qu'on bute à l'art pour récupérer la monture sur Kael'thas. Du coup j'ai parlé et j'ai pas regardé ce que j'ai fait. Ah, il me semble bien. Elle est mère. Ah, t'es pas mère, c'est vrai. J'en profite pour regarder les apparences. Salut Silux. Ah, t'as le même problème, Lélo, moi, ça me rassure. Parce que c'est légèrement agaçant. Du coup, il y a plein de réponses que je rate. Bah, sans parler qu'il y en a plein que je vois pas aussi, puisque des fois je tweet et je regarde pas spécialement les réponses. Parce que j'ai décidé de passer beaucoup moins de temps sur Twitter et je vais mieux depuis. Alors, qui on se fait en premier? On va se faire l'astromancienne. Attendez, il cherche. L'argent! Je les aime pas. Ouais. Et pour pouvoir faire Kael'thas, il faut se faire tous les boss. Et en plus, le pire, c'est qu'à la fin, tu te retrouves devant Kael'thas et il te raconte sa life pendant 10 000 ans. Le temps de la libération de Illidan. J'ai. Regardez ça. Ça, c'est quand t'ouvres le buffet à volonté et que t'as très très faim. Vous êtes tous là? Bisous. Vous avez de l'argent. Bah. Ah. Ok. Salut Lolo! Bon, faut qu'on aille à l'autre bout. En plus, il est vraiment super mal fait ce donjon, quoi. Dire un utérus.
J'espère que vous êtes tous en train de prier pour que je chope les cendres d'Allah. S'il vous plaît. I need it. Ah voilà, je me trompe de sortie. Histoire qu'on perde un peu plus de temps. Oui, ils font dodo. Ils font dodo éternellement. J'ai la flemme. Alors. Hop! C'est pas possible. Je fais de la merde et vous me dites rien. Comme vous le voyez, on n'est pas censé arriver ici tout de suite. Et oui, Silux. Bah sinon après, tu peux jouer sur... non officiel. Mais c'est pas pareil. Puis t'as pas tout. Mais oui, moi aussi je claque mes ronds dans la beau. Alors qu'en plus là, j'avais pas joué depuis un moment. Après, oui, tu peux le payer en gold aussi. Moi personnellement, j'ai pas la patience de farmer. Après, je pourrais utiliser mon père en vrai, parce que lui il farme. Mais dans l'alliance. Mais là, j'avais pas joué depuis un moment. Après, je paye. Par tranche de 6 mois. Donc je m'en rends un peu moins compte. Par contre, quand ça débite, ça fait mal. Bah, quoi. J'ai utilisé mon père, mais j'ai dû lui expliquer il y a pas longtemps qu'il vendait à perte. En fait, il... Voilà, il a arrêté, mais... Il fermait. Il allait au hall des ventes pour mettre en vente ses trucs, mais à des prix, mais complètement dérisoires. Du coup, bah... Il a fallu que je lui explique. Ça, j'ai pas. Enfin, si, j'ai. Oh, on s'en fout. Normalement, j'ai tout ici. Vous avez pas d'argent? Ah, si. C'est ce qui me semblait. Ah bon? Il a pas joué assez, non c'est sûr. Sérieux? Ou artiste? Eh ben écoute, je savais pas, on vient de perdre énormément de temps. Ben, comme ça on pourra dire que je fais des streams pas trop courts. Pardon. Oui, il y a plus un. C'est gentil de me le dire une fois que j'ai buté les trois boss. Et une fois qu'en plus j'ai fait trois allers-retours parce que je parle et que je ne regarde pas ce que je fais. Oh! Moins fort dehors. Bon bah, let's go Keltas. Bah non, normalement j'ai tout ici. Ah mais va se dire, moi j'y mets pas les pieds, c'est l'enfer cette zone. Non, normalement ici j'ai tout. Attendez. Ah je l'ai pas. En fait, il manque des choses. Elle est kitsch, mais je la veux. Oh, vous êtes prêts pour le monologue? Le pire, c'est qu'à te faire subir tout ce monologue pour rien, t'as juste envie qu'il te donne son... Putain de piaf quoi. Salut Dark Jules. Salut Anduniel. Salut Cyril. Chacal à toi aussi. Chut. Heureusement qu'il y a la musique. Ah, je croyais que c'était elle, j'avais oublié.
salut. J'ai bleu. De mesurer votre talent à celui de mon maître ingénieur Télonicus. Wesley. T'as d'être ça. Ça va et toi? Salut Uma. Oh. T'arrives rien à voir? Tu peux pas baisser la qualité maintenant, je sais pas. Je devrais avoir débloqué ça. Viens ici toi. Ah oui, alors attendez. Si vous voyez un œil popé, c'est parce que je suis corrompue avec la dernière extension. Et bah du coup j'ai un œil qui pop et puis qui me met des dégâts impressionnants. Donc si je prends des dégâts devant ce genre de boss à la con, c'est la faute de mon œil. Calmement. Ouais c'est dimanche, tu bosses pas. C'est la fête. Tu peux parler Kael'thas? Avec tes armes légendaires là. Ouh. Regardez comme il est moche. T'es laid. T'es super laid. Puis en plus t'es long et lent et lourd. Il n'y a que 720p. Ouais. Je peux bosser de la semaine à côté. Mais je reprends. Eh mais toi tu bosses sur place? Si je ne m'abuse. Attendez, il y a un problème là. Ok, Lou. Oh putain. Je vous ai dit, il est infâme. Allez, ça c'est chiant par contre. Alors, si j'arrive à placer mon attaque, c'est pas sûr. Non, mais prends-toi ça, toi. Voilà, merci. J'adore prendre le métro. Mais il est plutôt vide en ce moment, du coup, non? Bon, tu sais quoi, tu m'as saoulé. Alors, juste pour le fun. J'ai pas besoin de ça là. Mon Skada. Ah voilà. Blablabla, gagné, blablabla. Ça dépend lequel, le mien est vide, heureusement, ouais. Ah ici. C'est bien, agro gros méchant, j'ai explosé le plafond, je suis très très grand. J'ai encore beaucoup de choses à dire. Il m'a fait de la boxe. Allez, vous êtes prêts? Salut Chabaloutre. Voilà. Bon bah on va aller au prochain. Ouais, attendez, pourquoi je me fais suer à sortir là? Alors qu'il me suffit de... j'ai dit qu'on allait en Orfandre. Eh ben on va se faire un double chargement des familles. Non. Voilà. Ça risque de planter un peu du coup. Salut Pompon. Je suis déçue. En même temps je m'attendais pas non plus à... loot les cendres d'Alar comme ça là, juste parce que j'étais en live. Mais quand même je suis un peu déçue. J'espérais un cadeau de retour de la part de Wo.
Je suis un emoji bouche vers le bas. Allez, posez cette petite playlist, on est pas trop mal? Ah! Vous avez pas eu de notification de live? Pourtant, il vous suffit de faire le petit cœur et d'activer les notifications normalement. J'ai dit qu'on allait en orphelin. Hein. Mais. C'est le zep. Alors, c'est là qu'on va se marier et qu'on va se perdre un peu. Du coup, techniquement, on va prendre le zep pour la toundra. Non, je crois pas que j'ai le TP du tournoi d'argent. Portail forêt du champ de cristal. Non. GG. Ah, mais ça m'arrangeait de... Attendez. Non, ça peut le faire. On va juste faire quelques petits allers-retours. Ah mais on n'a pas que ICC à faire. Salut Froust. Merci beaucoup. On n'a pas que ICC à faire. Il faut qu'on aille à la toundra boréenne pour faire l'œil de l'éternité. Il faut qu'on aille à la désolation des dragons pour faire le sanctuaire. Ah bah non, ah non, on n'a pas besoin d'aller à la désolation parce que j'ai déjà les deux. J'ai déjà les deux montures. On a besoin d'aller à ICC, on a besoin d'aller à Pic Foudroyer pour faire Ulduar. Ouais, on doit faire Ulduar aussi pour la tête de Mimiron. Oui, il me faut Manigos, c'est pour ça que je voulais aller à la toundra à la base. On va prendre Queen Earth. Oui, je l'ai déjà. Mais de toute façon, je fais que les raids. Sinon, on va se prendre la tête là. On va y passer 10 000 ans. J'ai dit que j'avais pas besoin d'aller à Deso. Par contre, j'ai besoin d'aller au Pic Foudroyer. Écoutez, on va saigner en premier là. On va faire Ulduar. Quoique non, on va pas faire Ulduar en premier parce que quand il faudra ressortir, ça va gaver. Donc en premier, on va se faire l'œil. On va se faire Manigos. Parce que comme ça, on rentre et on sort efficacement. Ensuite, on se fait ICC. Et ensuite, on se fait Ulduar. Et on va faire comme ça. Merci. Et non, le proto-drake bleu, il est là. Il est absolument magnifique. Je le kiffe. Oui, du coup, c'est ce que je vais faire, Shaba. Pas de soucis. Et merci Frost pour ton follow. Moi aussi je vois avec du délai du coup. Je sais pas, à chaque fois je me pose la question et je sais pas si l'encart du chat sert vraiment à grand chose. Si vous voyez quelque chose dessus ou quoi. Au niveau du live. Parce que je l'avais mis mais en fait... Je crois que ça sert à rien. De toute façon vous avez le chat... dans la barre de chat. Ouais, pas trop, hein.
Ouais, mais ça prend trop de place, je trouve. Ça prend trop de place alors que vous avez la barre de chat en fait. Du coup, je pense que je vais alt tab. Tada! C'est mieux, non? Se passe quoi ici? Oh, il y a un allianceux! Niveau 78! Non? Il était en train d'attaquer un pote, hein, donc je l'ai défendu, vous m'en voulez pas. Non mais pourquoi tu m'attaques? Voilà, tiens, je me casse. Vous avez rien vu, c'était pas moi. J'ai pas attaqué lâchement. Il était en train d'attaquer un gobelin. Légitime défense par procuration. Alors, j'ai aucun problème avec l'Alliance, je tiens à le dire. Enfin, contre l'Alliance. Enfin, contre l'Alliance dans sa globalité, j'ai aucun problème. Contre certains allianceux, par contre, peut-être un petit peu. Chat reste synchro avec la VOD, donc au début c'est utile et sympa de l'avoir avant de passer en jeu, mais c'est vrai qu'après l'utilité de nos voix est limitée. Ouais. Je pense que c'est utile pour les scènes Starting Soon par exemple, ou le Only Chat, truc que j'ai jamais fait. Excusez-moi. J'ai pas m'excuser à chaque fois, pardon, parce que sinon on n'a pas fini. C'est une belle phrase ça, je vais pas m'excuser à chaque fois, pardon. Mais oui, du coup, je pense que ça n'a pas lieu d'être. Déjà là, j'ai passé la caméra en bas, parce que du coup, ça m'arrange qu'elle soit devant le chat. Parce que j'ai des potes un peu bizarres. J'ai pas très envie qu'ils m'écrivent pendant le stream. Je ne sens pas ce genre de choses. Alors, c'est là qu'on va s'amuser. Et maintenant, c'est bon en fait. Je suis quasiment sûre que je sais quelle entrée je veux. Par contre, il faut que je regarde la difficulté. 10 ou 25, peu importe. Excusez-moi de m'excuser, c'est exactement ça. Ah, je veux pas l'attaquer lui. Par contre, il s'appelait Croque-Mou, il avait un joli pseudo, je valide. On va se mettre en 10. Plus, j'ai pas énormément de vie du coup. J'ai pas un stuff de ouf ouf. J'ai pas trop farm les derniers patchs. C'est pas la partie que je préfère d'en haut. C'est vrai que moi j'ai tendance à aimer pexer, explorer, faire 3000 personnages. Comme ça là. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a des personnages que je dois supprimer, genre FZXF et. C'est quand je testais des trucs. Mais j'ai oublié de les enlever. Pendant ce temps, Maligos nous raconte sa vie. Écoute, Maligos, je t'aime en plus. Donc est-ce que tu peux mourir vite? Parce que j'aime pas du tout te tuer. Toi, tu vas me donner ta plus belle plateforme. Voilà. Voilà. Oui, je te dis dragon, mais j'ai pas le choix, c'est lui ou moi.
En plus, à la base, c'est un très gentil dragon. Très très chouette. D'ailleurs, pour ceux qui aimeraient lire du WoW, bah, j'ai à trop de mémoire. Voilà. Comme ça, vous êtes contents de cette information. Mais le livre qui est à lire, je dirais en premier, c'est le mieux. C'est comme ça que moi je le fais. À propos des aspects, et un des meilleurs à mon goût. Genre vraiment kiffé. C'est quoi qu'on veut looter là? Le Drake bleu. Eh ben non, voilà. On est content. Ni apparence, ni rien du tout. Je suis triste. Où est le TP? J'ai oublié. Là. Bien, ça c'est fait. Pour l'instant, vous portez pas beaucoup de chance. Je vous aime beaucoup. Je note. Alors, on a fait quoi pour l'instant? On a fait Rat de Néant. En vrai, si là, il n'y a pas de chance, mais qu'en fait, elle est en train de se concentrer entièrement pour que je puisse loot invincible à ICC, je serais pas malheureuse, c'est pas grave. Allez, direction la couronne de glace. C'est là qu'il faut tout donner. S'il y en a une que je veux plus que les autres, c'est invincible. Je serre fort mes petits doigts. Ah tiens d'ailleurs, que je me trompe pas, 25 héroïques. Ok. On y croit, prions toute la sainte gourde grenouille. Je l'ai même pas ma gourde grenouille, je suis déçue. Allez, ici si, j'ai mérité, petite invincible là. En fait, je me rends compte maintenant qu'il y a trop de gens autour de moi qui l'ont pour justifier le fait que moi je ne la loot pas. Je vais aller sacrifier un coq pour porter chance. En plus, je sais pas, j'ai dû le faire un nombre incroyable de fois ici. Si. Peut-être pas autant que Stratholme, parce que Stratholme c'est un donjon, donc J'ai dû le faire au moins 10 fois plus que ICC. Mais ICC, je l'ai poncé quand même. Par contre, quand je farm, je vais pas jusqu'à changer de perso et le faire sur tous mes persos. Parce que j'ai pas cette patience là. Donc je fais pas non plus du farm intensif. Peut-être que si je le faisais comme ça, je l'aurais déjà en vrai, mais... Je me dis que tout vient à point, à qui sait t'attendre. Et même qui sait pas t'attendre, comme moi. D'ailleurs, pas t'attendre, c'est pas une liaison qui fonctionne. Mais si j'y arrive pas avec un perso, j'ai pas envie de passer sur 5 persos différents pour essayer de l'avoir, quoi. Si je veux l'avoir, c'est avec mon main et puis c'est tout. On est chaud. 114 fois Stratholm pour avoir. Bah, tu l'as ou Artis? Ça, franchement, je crois que Invincible et comment il s'appelle, les reines du dada de Stratholme, là, ça doit être les deux instances que j'ai le plus farmé. Et que je... Ah, et Kara. Kara, sur Atumen aussi. Les trois. Les trois, c'est vraiment ceux que j'ai le plus farmé et que je pense que je serais folle. Je serais complètement folle d'en looter au moins une des trois, quoi. Depuis le temps, je comprends même pas qu'il n'y en ait pas une qui soit pas tombée en vrai, mais... Je vous dis, j'ai pas de chance. J'ai pas de chance.
Mick Assassin. Ça se trouve, il a loot invincible. Grosse parano. Putain, mais t'es invincible aussi, mais what the... Ça va le faire. Je vais l'avoir, j'y crois. J'y crois. Vous savez quoi, je vais même pas ramasser l'argent. Parce que si je montre que je suis vénal là, invincible, il va pas vouloir... Donc on va y aller comme ça. On va y aller en fufu d'ailleurs. Parce qu'ils sont hyper chiants les mobs dans cette première salle. Ils te ralentissent là, c'est insupportable. Salut It's Chomp. Do it, yes. Ils te coconifient là. En plus, j'ai horreur des araignées, là. Je regarde très clairement au centre. En plus, on va en revoir après, des araignées. Ah oui, lui, il faut que je le tue. Et reviens du coup. Ah non, j'ai dit que je prenais pas. Non, mais j'ai le droit de looter les boss quand même. Parce que c'est. Ah, vous voyez? Une dague. Bon, tout n'est pas perdu, j'ai eu une apparence de dague. Oui, il est très stylé. Il sert à rien, mais il est très stylé. Joli. Très très belle. Je suis très contente. Ok, je dis pas, j'ai eu une belle dague. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Ah puis t'as de quoi faire avec les races alliées. Alors. Ok, rien. Alors, je suis en train de réfléchir. Du coup, il y a un boss qu'on pourra pas faire. Vu que j'ai pas de heal. Et pas de bandage. C'est le moment de sortir cauchemar lucide. Allez, allez. Regardez-moi comme elle est belle. A chaque fois, je dis regardez-moi ça et je dis regardez-moi. Vous avez pas trop charmante. On a une sacrée pelletée. Pour ceux qui connaissent pas, une sacrée pelletée de boss à faire hein, avant d'arriver au Roi Lich. C'est un long raid. C'est toujours pas Ulduar, mais... Oh, je suis en train de penser à Ulduar et franchement, ça va être long. Ça va être long. En plus, pour le coup, la tête de Mimiron, c'est le genre de monture que j'ai beaucoup vu à Orgrimmar sur des gens et tout. Comme mon ex. Mais ouais, la tête de Mimiron, je l'ai vraiment beaucoup vue en monture en plein Orgrimmar ou Dala, etc. Donc c'est possible. Combien j'ai de pourcentage pour la tête de Mimiron sur mon truc? 3% dans le truc pas mis à jour. Invincible, on est quand même à 4%, hein. Le sort de l'alliance, dégustez-le.
Alors attendez, parce que quand on sera plus en train de voler. Ouf, ouf. Je vais vider mon sac. J'aime pas le bordel. Beaucoup de bonnes affaires pour les amis des Grumelots. Adieu, amis des Grumelots. Pas d'apparence. Next. Je suis chevaucheur Yak et passion Yak. Alors, petite séquence émotion. Un peu lente aussi, du coup. Merde, j'ai oublié de lui parler, pardon. Hop. Nous sommes prêts. L'Octarogar. Hop. On va faire un slash round. Si j'ai au-dessus de 50, je loot invincible. Si j'ai en dessous de 50, 49, je loot pas invincible. J'ai fait 45. Eh, ça c'est un autre truc aussi, c'est à chaque fois qu'il y a des trucs trop bien qui loot et que je suis avec d'autres gens et qu'il faut faire un slash round pour avoir le truc, je gagne jamais. J'ai toujours des chiffres de merde. Et mes succès critiques, ils sont pour des trucs de merde en général. Genre ouais, non, ça je veux pas trop. Bah là je fais 100. La malchance. Apparence? Non. Bon, attendez, là, il va crier et pleurer. J'aime pas ce moment, donc on se casse. Je veux pas voir ça. C'est triste. Vu ta chance à la RNG, tu devrais essayer Darkest Dungeon. C'est très fait comme ça. Je connais pas du tout. Nagrande. J'ai peut-être le droit à une deuxième chance au slash round. J'ai fait 34. Par la lumière, le transporteur a fonctionné. Salut Comitech. Question random, il y a toujours les anciennes extensions qui sont offertes quand on achète la dernière? Oui. Oui, oui. Non, j'ai dit que je lootais pas les... Je viens de me porter malchance. Ou chance, je sais pas. Ok. Tu en dirais du Nightcore. Attends, t'en vas pas toi, parce qu'après c'est chiant, faut aller te chercher. Et venez tous là. Non, on le perd, on a dit. J'ai cru qu'il m'attaquait lui. Alors, on se fait plus l'entraille.
Et on va pas oublier de faire un truc, sinon on va faire trois fois l'aller-retour. Ah, y'a mon. Ok. En vrai, je stresse. J'aimerais tellement qu'elle réussisse pour tout le monde. C'est terrible. Merci Dark Joule pour ton follow. Merci Chaud. Ah bah c'est un fufu, parce que les mobs qui arrivent après me saoulent. Salut Mélache. Me lâche, me lâche. Non, je suis passé dedans. Ouais, j'ai esquivé. Et il y a un mob qui a des pop. Regardez-moi ce magnifique boss. Pas d'apparence. Il nous reste plein de boss. C'est elle que je peux pas faire. Enfin, que je peux pas soigner. Allez, go. Je me disais bien que c'était long. Salut Papayou. A plus Kaborashi, merci d'être passé. Mais là, oui, je sais que j'ai 51 places et que je peux ramasser, mais en fait, je... J'ai décidé de pas le faire. Parce que j'ai assez de PO pour mon utilisation actuelle et j'ai horreur d'avoir le sac plein. Et les raids comme ça, c'est le meilleur moyen d'avoir ton sac plein tout le temps. Et c'est juste insupportable. Oula. Alors. On va aller se faire les vampires. Leur princesse. Ensuite on passe derrière, toc. Et puis après on sera bon. Et on va loot, invincible. Je refais un slash round, je vais me faire des petits rappels. 47, je dépasse pas le 50 quand même, c'est hallucinant. J'ai une malchance profonde et terrible. Alors, alors. Alors, alors. Flemme. Ah ben non, pas flemme. Ce qui est très drôle, c'est que... Non, j'ai dit que je ramassais pas. Ils doivent tous mourir pour ouvrir la porte, mais s'il en reste un, c'est pas grave. L'anatel. Tellement long, je suis en train de me dire que je suis même pas si genre la foi de faire Ulduar en vrai. La tête de mignon. Elle est là. Elle est quand même classe. En fait, ce qui me plaît sur cette monture, c'est qu'elle ressemble pas à d'autres
Parce que les dragons, des drakes, des proto-drakes, etc. T'en as des mille et des cents qui se ressemblent beaucoup, mais celle-là est complètement différente, quoi. Quand même stylé! Alors. Pas d'apparence. Le pire, tu demandes à un viewer de clean l'instance juste pour toi. Non, c'est bon, je suis pas comme ça. Je me vois très mal demander ça. Je sais pas comment ça marche vu que j'ai jamais utilisé, mais il existe une méthode pour pouvoir reprendre sur le LK directement. J'ai pas compris. Comment ça à reprendre? Allez. Bientôt à la ligne droite. Tu peux sauvegarder une ID de raid sur un perso et comme ça le mercredi. Ah oui! Je vois ce que tu veux dire. Ouais, je devrais y penser. Bon, après là, c'était pas possible de toute façon vu que j'avais pas joué à WoW depuis une éternité. Donc on est obligé de se le taper en entier. Et c'est long et chiant, je vous le cache pas. Hein. Moi aussi, ça me saoule. Mais on veut invincible. C'est l'heure du slash run. J'ai fait 20. J'arriverai jamais à faire au-delà de 50. Durant toute l'instance, je pense. C'est pas avec une chance pareille que. Il va proc, on est d'accord. Non, non, mais je te jure, c'est incroyable! En fait, faut que j'arrive à faire un je sais pas, un 99 d'ici la fin du raid, je ne sais pas. T'es sûr que c'est sur ça? Ouais, c'est sur ça. À chaque boss que je tue là, je vais faire un slashant. Bon, il me reste plus beaucoup. Allez! Il y a des gens qui veulent manger un goûter ici. Je vais les libérer eux parce qu'ils me font de la peine. Voilà. Trente. C'est bien, on s'améliore. L'Octar. Non mais c'est fou, je dépasse pas les 50 quoi. C'est incroyable. Après Syndragosa j'en refais un. Sur un malentendu, tu épuiseras ta malchance avant le boss. Eh, c'est pas faux! Je viens de faire 41. C'est juste abusé. C'est abusé. T'as déjà fait des JDR IRL parce que... On sait jamais. Jamais! J'aimerais bien essayer mais je le sens pas du tout. Je pense que je ferais... En fait moi c'est compliqué. C'est-à-dire que je ne fais que des critiques. Mais ça peut être des échecs comme des succès. Alors quand j'ai un succès, par contre, c'est pas un petit succès. C'est un gros, gros, fatas succès, truc de fou. Hein. Mais c'est critique à chaque fois. Que ce soit échec ou succès. Et c'est plus souvent des échecs. Je pense. Alors c'est le moment des araignées que j'aime pas du tout. Ça marche, Lélo.
J'aime pas ces moments. Ah. C'est bon là. Bah venez vers moi au moins. Voilà. J'ai fait 22. C'est incroyable. Je vous jure, ça me tue. Ah, j'étais pas obligée de les faire. J'avais oublié. J'aime pas tuer des bébés dragons, même s'ils sont déjà morts. T'es mort à moitié dehors, toi. Me dites pas que je l'ai bugué. Je l'ai bugué. Non. Ah oui, putain, j'ai eu peur. Il me semblait bien que je devais les tuer. Je me suis dit, ça y est, j'ai tout cassé. J'ai cassé ICC. Ah, attendez, je vais faire un alt-tab pour l'overlay, là. C'est bizarre. Comment ça se fait que j'ai les notifications overlay? Activer l'overlay en jeu. Non. Voilà. Hop. Allez, ramène ta maman. Qu'il est stupide d'être venu ici. Les vents glacés d'une enfant. Ok, c'est l'heure du slash round. 67. Ah, on a fait combien de tirages? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Il a fallu 6 rounds. Pour être au-dessus de 50. C'est quand même abusé. J'aimerais vivre dans la peau de quelqu'un qui a de la chance 24 heures une fois. Je lui ai sacrifié un deuxième poulet. Merci. Allez, c'est l'heure. L'heure fatidique. L'heure du monologue. Again. Salut Anthony. On est chaud, on est chaud. Allez-y, Tyrion. Porte-nous chance, Tyrion. Là, on peut se tourner les pouces un moment. On peut faire des petits rounds pendant ce temps. 25. Non. Nous t'accorderons une mort rapide, Arthas. Les
Là, il est en train de dire qu'il va nous donner invincible. Parce qu'il a vu qu'on était des guerriers hors pair. Et que franchement, on méritait fort. Très très fort. Très 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 fort. Qu'il avait eu vent du sacrifice de poulet et que c'était ok. Stressée. Si je l'ai pas, je vais être triste. Allô ? Après, on a eu le duar, on a dit, et puis c'est bon. Après, on a Mop. J'y crois pas trop. Bla bla bla. Bon sang, il y a mon perso qui se fatigue pour rien. Allez, Roalish. J'ai faim, je vais m'en goûter. J'avais pas vu les petits flocons qui tombent et tout. C'est vrai que je joue en ultra depuis pas longtemps et il y a certaines choses que j'avais pas encore refait et certains détails que je note depuis et ça fait plaisir. Donnez-moi la force, vous aussi, on veut invincible, s'il vous plaît! Je fais un slash rand avant, 63, yeah! C'est mon heure! Non, pas assez de DPS là, s'il te plaît. On est sur le Lich King à ICC, à l'aise, avec la petite musique, on chill. On veut juste son putain de dada qu'il m'a pas donné. Je suis deg. Sad. Bon, bah, on va faire le duar avec grand plaisir. Pourquoi j'ai posé un œuf, un œil? What the fuck? Je suis pas en... J'étais pas en combat, what the fuck. Ok. Alors, attendez. Toc, 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 toc. Raid. Se mettre à peu près comme ça et on va regarder. Ah, Uldia. Par contre, il y a énormément de... Alors pour le coup, Uldia, ce sera pas perdu puisqu'il y a plein d'apparences que je n'ai pas.
C'est pas fou, mais... Ah! Quel plaisir. Mais il y a un truc sur Algalon aussi, non? Ah oui, il y a cette dague déjà. Ah, il n'y a pas Algalon. Bah, il me semblait que... Si elle proto perdu dans le temps et que tu es AFK, pas ouf. De quoi? De quoi tu parles? Je sais même pas où, comment il pop lui, ni où. Nemo de moi en train de booter. Je boot pas souvent en live, mais je crois que les montures ça me... En fait le fait de pas avoir de chance comme ça là, ça me fait bouder. Parce que c'est pas juste. Genre j'ai vraiment un capital chance qui est... par terre, très bas, négatif, négatif mon capitaine. Alors attendez, la tête de Mimiron c'est en 25. Ok. Combiner ces farms mantes avec d'autres farms, j'en fais chez le monde en même temps. Alors, je vais vous expliquer simplement. Je n'aime pas farm. Je déteste ça. J'ai horreur de ça. Je n'aime pas. Que ce soit ramasser des fruits dans Assassin's Creed, dans... Oh oui, bien sûr. Que ce soit ramasser des fruits dans Animal Crossing ou farmer des ressources dans WoW, j'ai horreur de ça. Et je fais les mounts parce que bah, je peux le faire chill sans trop réfléchir. Et que c'est pas trop chiant. Je suis pas en train de me tromper là. Non. Que c'est pas trop chiant parce que je fais le tour. Et puis là pour le coup en plus je parle avec vous. J'ai la petite musique etc. Et je rentre, je le fais et... Boum, c'est fini. Non, je chasse pas les tarentules. Alors c'est Ace Combat. Mais j'ai horreur de ça, j'aime pas farmer, je déteste. J'ai l'impression de perdre mon temps en fait à un niveau. C'est vraiment pas mon truc. Donc là j'avais envie cet après-midi pour le coup de d'aller chercher des petites montures. J'avais envie de relancer WoW et de faire ça. Je me suis dit bon bah je vais lancer un stream en même temps. Mais j'irai pas me faire un objectif de farm carré. En plus mon cerveau il est... Non. Mon cerveau il est trop fucked up et pas ordonné pour que je fasse un truc ordonné. Alors par contre, Ulduar, je ne m'en souviens pas du tout. Il me semble que je dois prendre une moto. En plus, c'est un peu un. Léviathan des flammes, tranché, caille, déconstructeur. Ah oui, c'est là que j'avais. La dernière fois que je suis venue à Ulduar. Ah, prends pas de moto. Ok. La dernière fois que je suis venue à Ulduar, bah, c'était pour faire une des parties de Cauchemar Lucide. J'ai besoin de faire tous les boss pour aller à Yuxao. Je dirais quoi? Nah, tu vas tout droit. Ok, ça marche. Merci les gars. Évitez de perdre du temps. Droit. Juste les 4 gardes.
C'est un mur? Me dire mais on Freya est en... Par contre je vais devoir tuer du des bons hommes là. Pas le chien. Ah super Mimi. Venez on fait un tas. Viens dès c'est moi qui ai à manger. Bordel. Je vois rien. Ah. Je vois que dalle. Ça. Alors. Du coup, la route, là, c'est à gauche, je dirais. Ignis. Vous avez dit Odir, Mimiron, Freya et Tormin. Tout droit. Tout droit, ce sera alors. Salut! Je me fasse le déconstructeur du coup. Fais des squats là. Très bien. Je me rappelle de cette salle, le puzzle pour le cauchemar lucide. Quel enfer. Ok. Et où il joue aussi à Just Dance. Ah oui. Sanctum. J'ai pas le sanctum. Attendez, je suis perdu là. Ah, ok. Je suis con. Ah non, il y aura pas de stream de Just Dance, ça c'est mort. Alors, je me faisais la remarque qu'il faut quand même avoir des sacrés balls pour faire des streams Just Dance. Parce que soit t'es très très fort, ou forte, soit... il faut réussir à parler en dansant en plus. Soit faut avoir vraiment une dignité inexistante. Je pense. Mais je connais pas beaucoup de gens qui stream Just Dance. Mais le peu que je connais sont très forts. Donc ils ont pas honte quoi. Ça, on s'appelle Caroline et on a tout. Tout. On a quoi? Qu'est-ce que... Ah! Cucu! Je me rappelle absolument... pas d'Ulduar.
Oui, voilà, c'est ce que je disais. Bah, j'étais persuadée de l'avoir listé. Ils ont un gros sens de leur auto-dérision, effectivement. Mais, enfin. Déjà, moi, je vois pas comment je pourrais parler. Attendez, je regarde en même temps parce que je suis paumée là. Ok. Soit pas beaucoup de vêtements, ça a l'air de marcher aussi. Oui, alors, c'est pas mon truc. Ouais, non. Alors, pour le coup, moi, je faisais du Ring Fit Adventure et. Comme je disais, j'ai pas une régulière. Enfin, je suis pas très bonne en régularité, je suis pas très bonne en focus. Et autant Ring Fit, le temps passait vite long. Autant Just Dance, j'ai enchaîné les chansons en me fendant la gueule et en ayant même honte, même quasiment toute seule. Sans m'en rendre compte. J'avais fait 11 chansons, j'étais éclatée par contre. Mais j'avais bien bossé quoi. Mais jamais je pourrais. Jamais je pourrais stream ça. Tu prends juste ta voix et c'est GG. Non mais je suis pas mazo. Alors Freya, faire de la danse en lisant en haute voix. Le manuel de ton micro. C'est quoi cette idée? Alors attendez, j'ai perdu la liste. Hein. Odir, Mimiron, Freya et Tormi. Ok. Freya, elle est là-bas. Nada. Ah, vous voyez, je l'ai quasiment pas fait. Alors j'ai aucun au fait quoi. Pourquoi deux? Ah. Alors Torim, il est là-bas. Odir. Bah, il me manque. Il me manque Mimiron, il est où Mimiron? Ah, ok. C'était génial. C'est surtout qu'il est très 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 beau. Enfin, moi, c'est vraiment un. Enfin, cette zone-là, je la trouve magnifique, quoi. Alors, quels sont les prérequis? Ok, je vais à Mimiron. J'ai hésité à faire Mimiron là, en premier, mais. T'as celle d'imagination. Ah, les petites bombes. Je sens pas quand tu me dis des trucs avec des petits emojis comme ça. Trop longtemps que je l'ai pas fait. Je vois même pas ton. Ah si, voilà. Ok. Reima, nice! Il n'y a pas de panneau. Merci.
D'ailleurs, pourquoi on loot la tête de Mimiron sur Yuxaon en vrai? Ça n'a pas de sens. J'ai fait un 14 au slash round, c'est bien. Vous le sentez bien la tête de Mimiron, vous aussi? J'en ai refait un, j'ai fait 13. J'en ai marre. Regardez, elle est là! Allez, assemble-toi. Va. Salut Yanama! Et j'ai besoin de mia 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 pour avoir la tête de Mimiron. Hein. Au. Yes. Délire là avec les... Ah, j'avais pas vu. Ah oui, ok, c'est chacun leur tour. Il reste l'unité aérienne. Unité de combat aérienne, ok. C'est la tête. Ça va et toi? J'essaye de looter des trucs que j'aurais jamais. Attendez, il y a un truc que je rate, je fais des bêtises. Attention. Ah. Ah. Ok. On va le faire comme ça, hein. Voilà. Ok, Mimiron, c'est fait. Terminé. Ok, donc maintenant, on peut faire les trois autres gardiens. Deux autres. Il en reste deux. Ouais, c'est un raid. Juste pour choper des montures. La deuxième porte. Salut Plume! Ah mais non, c'était là. Moi je voulais passer par une porte qui n'existait pas. On est bien? Salut Rudy!
techniquement, on aura fait les 4. Donc après, on peut faire Yuxaron. C'est l'heure du slash round. 3! Alignez-vous, s'il vous plaît. Trois, c'est pas beaucoup, non, effectivement, c'est la totale, là. Wow! Aller choper quoi. Attendez, il y a quelque chose que je fais pas. Je suis tellement en mode no brain que je peux très potentiellement faire une grosse connerie. Mais je suis... Mais effectivement, je suis pas censée aller défoncer elle. Active le levier. Ah. Il semblait bien qu'il y avait un truc qui allait pas. Ah! Genre! Si, petit pote. Quelqu'un qui me suit là, non? Ah oui. Ah. Wow. Je voulais l'éviter, elle a pas voulu. Mais elle est où, elle? Ah. Je suis qui, Blue? Je te finis de là-haut, moi, je m'en fous. Ils vont où, là? Ah, il est là, le coffre. Wow. Ah non, mais ils viennent tous. Allez, c'est bon. Merci. Ah! Une apparence. Deux apparences. C'est l'heure du round. 25. C'est abusé. Je vous jure, c'est abusé. J'aimerais tellement qu'elle tombe. Il est à combien? 3%. Elles sont sympas. Alors, ça doit être ici.
Ok. Oui, il s'est fait attaquer déjà par le passé. Légèrement. Flemme. Donc on va se faire Odin. Et après on pourra faire Yuxaron. Et espérer choper la tête de Mimion. Et après je vous cache pas que je pense que j'irai me faire mon goûter. Parce que j'ai la dalle. Merde. Et tous les buter? Je suis trop loin. Ah mais il est 19h là. J'avais pas capté. Ah mais non, j'étais dans un cul-de-sac. Débile. Ah bah ça va être leur pas du coup. Ok, Odir, salut. Il y a déjà son petit coffre qui m'attend. Ok. Du coup, c'est la fête au HF. Hop. Ok. Porte, elle s'est ouverte. Donc là, on a fait les 4. Donc, la prison de Yuxaron, c'est là-bas. Et après, on rage quitte parce qu'il n'y a rien sur Algalon. J'adore cette salle. Et après, je crois qu'on va juste se faire Kara. Rapidement. Pour se faire Atumen. Bienvenue à BFA. C'est dommage que ce soit les 3M de chaque côté. Ah! Le problème, c'est que... Oui, bah c'est la fameuse zague. Le problème, c'est que... Salut, Bigood. Je sais pas, elle est bizarre, ta question. J'ai pas beaucoup d'or. C'est quoi le titre, du coup? Sur Algalon. Après, pour faire Algalon, en plus, faut faire tous les prérequis. Hein. Déjà, allez se faire Yuxaron. Hein. T'as plus besoin, ok. Déjà, on va se faire lui. Hop. Ah. Ok. Nice.
Du coup, je récupère plein de dagues et ça, c'est cool. Héros des titans. Il sera bientôt temps de frapper la tête de la bête. Concentrez votre rage et votre haine sur ses laquais. Laissez la haine et la colère guider vos bras. Bien sûr, ça. Le monstre de vos cauchemars. Tu peux plus, c'est un tour de force maintenant. Ok. Le problème. Est-ce que tu peux me sortir de ta tentacule, s'il te plaît? Je me rappelle absolument pas de ce combat pour le coup. J'ai complètement zappé. C'était à moi de me sortir de la tentacule, débile. Alors. Elle est où ça? Est-ce que je peux? Non, c'est pas ce qui me semblait. Relou. Ça se voit hein, que j'ai zappé ce combat de ouf. Je peux pas. Ah, en plus, je me retrouve coincée avec mon œil. Mais bah non, je veux pas mourir, mais. Le truc, c'est que j'étais en mode je reste tout. Je regarde. Non, je peux pas la taper. En fait, la seule vie que je perds, c'est quand je suis coincée avec mon œil. Ce qui arrive toutes les deux minutes. Ok, c'est bon, j'ai capté. Si seulement je pouvais viser le portail, ça serait sympa. Il n'y en a plus. C'est insupportable ce combat. Je le pêche pas. Donnez-moi des portails là. Non? Quand est-ce qu'il peuple le portail? Là. Voilà. Ça va être insupportable. Quelle religion. Battez les illusions. Elle est où ma santé mentale? Ah. 2%. Mais non, what the fuck?
Entrez dans... Lâche-moi. Lâche-moi, j'ai dit. Insupportable. Ce combat est insupportable. Donjon de Hurlevent, ok. Garena, machin. Je comprends pas. Je sais pas si je suis. Ils ont tous disparu. C'est marrant, non ? Ah, le cerveau, le cerveau, le cerveau. Non ? Pourquoi je peux pas y aller ? Rappumpi. Pardon, lutin. Du coup, j'ai fait. J'ai fait complètement nimp. On va la refaire. Hein. Alors, vous devez laisser ça. Ok. Ok, c'est j'y étais. Périodiquement, ils confèrent au personnage joueur l'accès au cerveau, dans lequel ils doivent dissiper des illusions afin de s'enfuir avant d'être affectés par susciter la folie. Ouais, c'est bon. J'allais zapper. Quand il ne reste que 30% des points de vie au cerveau, un tombe et il peut être attaqué directement. Parce que j'arrive pas à cette partie-là. Ils doivent dissiper les illusions. J'avais aucune... Ça va me saouler. Mais on n'a eu aucun problème depuis tout à l'heure et là ça plante. Portail, portail, portail. Attendez, je suis en train de faire ça non-stop là. Non, c'est bon. Ok. Ouais. Et
effectivement, sans les barres activées, c'était compliqué. Merci beaucoup. Petit Bridgeron. Ah oui, non mais attendez, tout ça je le fais, c'est parce que je veux la tête de Mimiron, donc j'ai fait 59 au slash rand. Je peux y arriver, je peux le faire. Absolument pas. Bon, bah, je crois qu'on va aller chercher à Tumène, hein. Il y a un autre coffre. Ah non, c'était le coffre de l'autre. Je suis déçue. Alors attendez, je réfléchis. Elle est où ma cape? Elle est là. Je pense que ça va partir sur un échec critique. Combien de pourcents tu mènes? Ça m'a fatigué. Ah putain, tu les avais eues quand elles étaient à 100%, c'est insupportable. Mais fuck you. Ah, j'ai cru quoi avec Crash? Oui, je viens de les désactiver, mais... J'ai eu une erreur quand même juste après. Non, ouais, j'ai capté. Après, ça a pas la même saveur d'avoir d'avoir des montures à 100%. Mais pas les avoir du tout, ça a pas de saveur du tout. Donc well. Alors, avant à Dalaran, on avait un TP pour Karazhan. Ah bah clairement. Je suis d'accord. Les grottes du temps, aucun rapport. Mais je te le souhaite en tout cas. Alors je suis en train de réfléchir. Parce que du coup j'étais persuadée qu'il y avait un TP pour la porte des ténèbres. Tona. Sinon je vais avec B du butin, ça le fait aussi hein. Juste un peu bas. Oui mais Pierre Resch, tu vas avec un mage.
Le fameux TP pirage. Non, je vais y arriver. Mais non, je suis coincée dans le cordage. Mais fuck it. Ah, j'y suis. Merde, je suis pas au sol. Descends ta monture, descends ta monture. Je suis passée. Allez. Tu croyais pas. Mais c'est quoi cet emoji jaune? J'arrive même pas à capter. Une sale histoire. On veut minuit. Non, on veut minuit. Minuit, j'aimerais bien l'avoir quand même. J'aimerais bien une version refaite de minuit aussi, parce que Invincible, il a été refait tout beau. Alors. J'ai pris le bon sans faire exprès. Alors, on va à Deuil-Vent. Je ne connais absolument pas. Je voulais. What the fuck? Y'a pas photo, ouais. Pourtant, je l'ai fait, retour à Karazhan. Qu'est-ce qu'il est beau! Ah, vous me dites de faire des trucs là, j'ai pas confiance en vous. Jailbait. Alors non, j'ai pas mis image, mais j'ai vu un mot qui me plaisait pas, donc non. Alors. On veut l'entrée de Kara qui est ici. Il y avait pas de difficulté hein, pour minuit. Non. Bah non, je suis con, c'est un des premiers raids. Par contre, artiste, du coup, c'est non. Mmh.
je peux faire pour... Attendez, excusez-moi, je regarde des trucs. Silux. Attends, je cherche. Je sais plus comment ça fonctionne. Je sais plus comment fonctionne Twitch, on est bien. Bon, ça fonctionne pas. Mais disons que tu as toujours des pouvoirs. Pour supprimer un message. Je ne sais plus le faire. Bien, allons voir Minuit. Merci. Mais j'ai capté en même temps que toi en fait que... Parce que comme j'ai pas streamé depuis super longtemps, j'avais un peu beaucoup zappé... le principe modérateur, etc. Et du coup, on a pas l'autre Minuit. Voilà. Par contre, je suis plus sûre... Je suis plus sûre d'une chose. C'est que Minuit soit accessible dans le retour à Karazhan. Genre qu'il soit accessible dès le début ou pas. Parce qu'il me semble qu'il est pas tout à fait au même endroit, si. Ouais, tu m'étonnes. Mais moi, je supporte plus ça. Du tout. J'ai du mal. Y'a blague et blague. Et propos et propos. Il est accessible, ok. On va check ça. Bah écoute, c'est assez dingue parce que moi j'ai cliqué et... Après je suis sur mon tableau de bord donc... Ah j'avais pas vu. Merci HolyShipDG pour ton follow et merci TrayerLife pour ton petit raid. C'est gentil. Tu rentres, tu vas sur la terrasse et tu prends la descente de la terrasse. Ah oui c'est ça. Ok. C'est bien ce qu'il me semblait. Et du coup j'ai cliqué et moi ça fonctionnait pas. Donc c'était un peu strange. Strange. Bah, du coup, on va essayer de voir pour le Minuit BG moderne, là. Et on se laissera sur ça, c'est déjà pas mal. Alors, celui-là, par contre, j'ai tellement fait de... Je l'ai tellement fait en mythique, ça m'a rendu un peu folle. Terrasse. Je grimpe, hein, on est d'accord ? Tellement fermé, mais tellement oublié aussi, je le supporte plus à la fin. J'ai les deux Minuit. Mais non ! Mais non ! Sérieux ! C'est terrible ! Attendez, alors je me souviens même plus comment ça fonctionne. Ah putain, flemme ! Pardon. Faut sérieusement aller faire Moreuse ! La salle de banquet. Ouais, je suis côté Horn. J'ai la flemme. J'ai la flemme intersidérale, c'est pas grave, allez, let's go. C'est clair. Combien de poulets t'as sacrifié? Je ne l'imagine même pas. Est-ce que si tu viens, tu vas me porter chance? Peut-être qu'avec ta chance, elle va retomber. Et du coup, comme tu l'auras, effectivement, elle pourrait être pour moi. Je veux bien que tu viennes. Vas-y, on va faire un test. Tu vas être mon cochon d'Inde du jour. C'est quoi ton... C'est quoi ton blaze? On veut Minuit. On veut Minuit. On veut Minuit.
Donne-moi ton bétail plutôt. Ça se verra pas à l'écran, je vais, pas... je vais passer par... Je sais plus faire. Non, tu peux. Attends, je te mets mon bétail. Hop. Toc. C'est mieux. Ah ben, trop tard. Tout va bien. Je compte sur toi par contre. Hein. Tu viens, tu fais tomber minuit. Il y a une pression sur ses épaules. Alors. Accepté. Allez, je le sens. On peut avoir minuit, non? C'est la... En plus, c'est le dernier truc qu'on fait pour le coup. Donc, c'est maintenant ou jamais en fait. Sinon, Théo, 10 minutes, oui, mais si le live est fini, ça. Hein Théo, Théo. Là. Avec ta petite elfette de sang là. Sinon ban live. En vrai, je rigole pas, hein. Tu viens, c'est. C'est pour faire tomber minuit, on est d'accord. Le stress. Le stress est à son comble. Pourquoi elle meurt pas elle? Parce que je suis pas concentrée. Là, t'es déjà là, t'es fort. J'ai mis 300 piles pour avoir le... Écoute, moi aussi j'ai beaucoup fait Kara, hein. Je sais pas si j'ai fait 300, mais je pense que j'ai fait au moins plus de 100, c'est sûr. Parce qu'entre les mythiques et tout ça là, certaines. Donc non, franchement, j'ai confiance en toi. Tu vas faire tomber minuit. Et si tu fais tomber minuit, je renomme un de mes amiibo en ton honneur. Je l'appellerai Kellam. Même si c'est un amiibo qui a déjà un nom très connu, c'est pas grave. Ou alors un de mes amiibo rouleau de papier toilette, comme tu veux, au choix. Des petites nouveautés. En mythique, c'était insupportable. Ouais, bah voilà. I know well. Ah, on a droit au roi singe. Il me semble qu'elle est censée tomber en MM+. Il est bugué un peu. Frère, t'es dans la barrière. T'sais, c'est marrant, je l'ai jamais eu celle-là. Tout le temps les mêmes. Oui, ma chère. Mais pour ce qui est de ta vieille robe, regarde, de nouveaux amis sont venus nous rendre visite. Ah si, ok, c'est bon, je me souviens. Enfin, sauf toi, Galen. Si tu es mon ami, c'est au zen de nous débarrasser de ces intrus. Et puis, nous irons voir le magicien. Ensemble, notre pauvre ami. Suivez-moi, hein, et vous.
Bon, bah, quitte à faire ici, je l'ôte. Hein. Alors. Putain, c'est vrai qu'il faut qu'on se tape tout ça du coup pour aller jusqu'à Morose. On dirait le début d'une blague. C'est le fait de sang dans Karazhan. Il fait quoi lui? Tu sors d'où? Je suis la reine pour me bloquer dans des bouts de décor. Horrible avec leur lampe torche. Hey, let's go. À table. Cela fait un certain temps que le maître n'est plus dans son assiette. Je me charge cesser d'importuner le maître. Cesser d'importuner le maître. Vous avoir servi. Effectivement, les clés. Que j'arrive pas à l'autre, c'est bon. Bon, vous êtes tous témoins, hein. Il va faire looter la monte. On est d'accord. Moi j'y crois. Fort. Attends, y'a une cuisinière qui m'embête, c'est bon. Ok, nice. C'est maintenant. C'est ton heure. J'ai foi en toi. Je crois en toi. Absolument pas. Au moins tu fais un portail, c'est gentil. Ah ouais, coup dur, clairement, gros coup dur quoi. Vous vous rendez compte, on a fait l'œil de la tempête, donc les cendres d'Alar. On a fait minuit le vieux. Minuit le récent. Maligos. Invincible. La tête de Mimiron. La tête de ma mère. Et voilà, donc on en a fait 6. Et y'en a pas un qui tombe. Et moi j'ai des potes là, ils arrivent sur le jeu et hop, ils drop tout. C'est quoi ce bordel? Jeu de merde. Non, sinon merci beaucoup d'être venu. Bon. Ça aurait pu être possible. J'y ai cru. C'est l'heure de faire un dernier slash round. Et j'ai fait 31. Ah, attends, et Mélache avant de partir là, fais voir un petit slash round s'il te plaît. Ah, oh, il a sorti sa tête de Mimiron le bat. Je vais y t'insulter. C'est sale de faire ça, c'est super sale. Il a fait 85. Mais... J'ai le seum. Qu'il est beau là. Franchement, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Hein. Oh là là. Il vous fait un défilé de tout ce que je voudrais loot. Oh là là, putain. Il est beau. Bon allez, sur ce, moi je me casse, je vais aller manger et puis je viendrai plus jamais sur ce putain de jeu. Je suis dégoûtée là. J'en ai marre. Depuis 2015. Ça change rien au problème.
Bon, allez, je vais aller manger. Je vous remercie d'être venu. On s'est fait quand même bonne deux petites heures et demie là. On était coolos. Pour ce petit stream chill. Et puis, ben, je pense que demain soir. Merci Mélage pour ton follow du coup. Je pense que demain soir, on se fera la suite de We Happy Few. Oui, c'est ça? J'ai eu un gros bug. Les plumes et le sang. Désolée, Soso, merci quand même pour ta participation. Mais ouais, normalement, je pense demain soir, on se fait We Happy Few, histoire de continuer, parce que j'avais pas envie de jouer à We Happy Few en plein après-midi, alors qu'il y a du soleil qui fait beau, des oiseaux qui chantent et tout, ça allait pas trop dans le thème. Donc on se tient au courant, je ne promets rien, mais on devrait pouvoir se faire ça. En tout cas, je suis contente parce que bah, je reprends et vous êtes là et ça me fait plaisir. Merci Dioxiberti, je vous fais plein de bisous et il y a un connard qui vient de passer avec son sa monture à 1 million là. Les emojis chez, c'est absolument pas du jeu. Je me casse. Merci Monsieur Gazou aussi pour ton follow, j'avais pas vu. Je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à demain. Et puis on se retrouve sur Twitter, de toute façon pour ceux qui me suivent sur Twitter ou qui sont sur Twitter. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye.